n'ont pas le statut de l'Église catholique qui, elle, a établi un concordat entre l'État, d'État à État. Alléluia. Alléluia. Donc, sur le plan juridique, l'Église catholique est comme un État. Ce qui n'est pas la même chose que toutes les autres églises. Toutes les paroisses catholiques, ce sont des territoires inviolables, comme les ambassades. Et cela remonte depuis les accords de Latran en 1929, je crois, qui fait du Saint-Siège l'autorité du pape en droit constitutionnel international. Alors, l'Église a le statut associatif. Donc, on est limité 99 ans, les associations. Après, il faut reprendre. On ne peut pas avoir l'autorisation à l'État maintenant. Il faut qu'après 99 ans, on renouvelle. C'est la loi de 1901. Pendant une durée limitée. Mais une église a une durée illimitée. Alléluia. Alléluia. Et on dit, le but de cette église, c'est de regrouper toutes les personnes des deux sexes ayant la foi en Dieu. Deux, convertir par un système d'évangélisation. Quand l'Église est établie au Bénin, reconnue par l'État français, pas l'État béninois, non, je suis désolé. C'est la France qui reconnaît l'Église du christianisme céleste. Parce que le Bénin, en tant que république, n'existait pas. C'était territoire français. C'est territoire français. Donc, quel honneur, quel prestige. Est-ce que nous en avons fait une bonne exploitation? Point d'interrogation. Espagnol. Troisièmement, créer entre eux des liens fraternels et de rendre plus effectifs leurs sentiments envers l'Éternel, notre Dieu, le Créateur. Et enfin, quatrième disposition, pratiquer la formation de ses membres par leur éducation conformément à la doctrine chrétienne basée sur les principes de la Sainte Bible. Voilà le statut de l'Église du christianisme céleste, le statut fondamental qui fonde l'Église du christianisme céleste au Bénin en 1956. Alléluia. Alléluia. Je me tournerai toujours vers la patte à cuire en tant qu'aîné et précurseur des écrivains de l'Église, un des précurseurs, et en tant qu'intellectuel. Il y a un travail. Tout ce qu'on fait, c'est la digression. Il y a un travail à faire. On doit se poser la question. Est-ce que nous évoluons conformément au statut de l'Église? Est-ce que nous regroupons toutes les personnes des deux sexes ayant foi en un seul Dieu? Est-ce que nous les amenons à la conversion par un système d'évangélisation? C'est ce qu'on a déclaré à l'État français. On va mettre l'Église, voilà ce qu'on va faire. Est-ce qu'on est en phase avec ce que nous avons déclaré juridiquement? Le système d'évangélisation. Y a-t-il des systèmes d'évangélisation dans les paroisses chrétiennes célestes? Créons des liens fraternels entre nous, chrétiens célestes. Si ce n'est se tirer, se mordre le nez, comme on dit. Est-ce que nous pratiquons la formation de nos membres chrétiens célestes? Les cours bibliques, c'est deux périphériques tendus dans chaque paroisse. La preuve, elle est là pour cette conférence, elle devait être pleine. Ce n'est pas le souci. On veut être informé, mais on ne veut pas être formé.
être informé de quelle manière. On a mis son siège et à Porto-Novo, au quartier Candelier, près du collège des jeunes filles. Voilà la naissance de l'église du christianisme céleste. Rentrer dans notre débat, c'est inutile, c'est une perte de temps. Nous avons une mission. Est-ce que nous accomplissons ce pourquoi l'Église a été fondée? C'est ce qu'on doit se poser comme question. Ce n'est pas une question, il faut amender tel copain, etc. Tout bien, c'est une affaire de papa là aussi, ou bien papa là. Ils ont fait spirituellement ce qu'ils devaient faire. Mais c'est nous, en regardant les textes, est-ce qu'on s'approprie ce qui fonde l'Église pour permettre à ceux qui dirigent de se sentir bien dans leur peau. Que Dieu soit avec nous. Amen. Dieu étant Dieu, il voit que ce qui a été fait là, ce n'est pas encore exactement ça. Parce que la révélation que reçoit Papa Yanga, c'est l'église du christianisme. On n'a pas dit l'église de la Sainte Trinité dite. Ça, c'est bien la chose. C'est l'église du christianisme. Comment Dieu fait pour que l'église, en tant qu'église, en tant qu'entité, soit reconnue juridiquement en tant que tel? Il fait partie de prophètes au Nigeria. C'est la continuité de l'église. Ce n'est pas deux églises. Mais pour permettre à l'église d'être reconnue, d'avoir le statut d'église à part entière. Ici, c'est un pas. Dites, c'est un truc. Parce que le colon à l'époque ne peut pas reconnaître une deux églises. Il n'y a qu'une seule église pour le colon. Alors, arrivant au Nigeria, il rencontre les mêmes réalités. Mais là, le Christ lui-même intervient et oblige le gouverneur à signer, à reconnaître l'Église comme une Église à part entière. Il sort l'acte. C'est sur l'intervention. Sinon, c'était déjà refusé. Sinon, ça allait, la commission doit aller sortir sous les mêmes principes. Dites. Mais c'est le Christ qui intervient lui-même sur le gouverneur. Il donne l'injonction que c'est mon église. Et ici, vous avez la constitution bleue, vous allez se commencer. Donc, la constitution bleue, à partir de là, revêt un caractère sacré. C'est la continuité de ce qui a été fait au Bénin. Je vous lirai d'ailleurs un document du fondateur intitulé Le Sceau d'or. C'est un document que j'ai trouvé pratiquement illisible. Donc il fallait parfois filmer et utiliser le logiciel OCR pour pouvoir ressortir les écrits et essayer de les arranger. Donc, au Nigeria, on parle de acte de constitution. Donc, on parle de la déclaration à l'acte. Nous savons tous en droit ce que ça veut dire. Quand on vous demande votre identité, on ne vous demande pas de fournir une déclaration de naissance. C'est le médecin qui fait la déclaration de naissance parce que vous êtes né dans son hôpital. Mais ça ne fait pas foi, ça ne remplace pas un acte de naissance. L'acte de naissance est maintenant l'autorité municipale, ce que vous allez enregistrer comme citoyen. Avec la déclaration de naissance que vous joignez et on vous produit un acte de naissance. Quand vous vous mariez, on vous donne un avis de mariage. Ça ne suffit pas. Il faut repartir pour qu'on vous produise l'acte de mariage. Là, c'est scellé, c'est officiel. Donc, on a deux aspects. La déclaration de naissance, avec toutes les oppositions que le fondateur a subies au niveau de l'administration coloniale, où il y a eu des rejets,
dans la demande de reconnaissance de l'Église. Il a été heureusement courageux pour revenir chaque fois, reprendre, jusqu'à ce qu'il y ait un gouverneur en qui Dieu est rentré pour reconnaître l'Église. Mais de façon partielle. Donc, Porto Novo a été pratiquement la maternité, est la maternité de l'Église. Parce que c'est la maternité qu'on te délivre la déclaration de naissance. Et, rendu, qu'on peut dire, la mairie de Porto Novo. Donc, c'est l'international, c'est la mairie de Porto Novo où on a légalisé la déclaration faite Porto Novo. Comme l'Église du Christ, le nom qui a été révélé entièrement, Église du christianisme céleste, point, il n'y a pas d'autre ajout, il n'y a pas de mythe, il n'y a pas une astuce, parce qu'on a pu mettre nous la Sainte Trinité, c'était une astuce pour emmener l'autorité coloniale à nous faire quand même un pacte pour qu'on soit quand même l'une d'adorer. Bien, papa, c'était une astuce. Mais la déclaration, c'était les Christianistes célestes. Ils ont considéré, le gouvernement colonial a considéré l'union de la Sainte Trinité, l'astuce, et ils ont mis le nom révélé entre griffes. Les grammairiens savent ce que c'est mettre quelque chose entre griffes. Heureusement qu'ils n'ont pas effacé ce nom-là, parce que ça pourrait être effaçable. Et considérer seulement le nom de la Sainte Trinité. Mais comme c'était l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas effacé. Alléluia. Alléluia. L'acte de l'Église du christianisme céleste est établi au Niger. Ça permet. Et que dit ce acte? L'Église a été dûment établie au Niger le 24 novembre 1958 sous l'ordonnance des domaines succession perpétuelle, chapitre 107, comme communauté de chrétiens croyants et pratiquants. Par conséquent, la constitution sous laquelle elle a été enregistrée a été un avis en date du 28 mars 1980 amendé et remplacé par cette nouvelle constitution qui est de nature. Plus complète. Alléluia. Alléluia. Parce que en 52, il y a eu un premier dépôt de constitution au Niger. Alléluia. Alléluia. Quand le prophète vient en 76, il fait la constitution, donc il amende avec ce qu'il avait ramené du Bénin. Ils ont déposé en 52, je crois. Et il amende maintenant en le 28 mars 80. Et il dit qu'il y a de nature plus complète. 1. 2. La constitution est basée sur un ensemble de règles de procédure. 3. De doctrine chrétienne formant le corps de la croyance de l'Église. Là, ça devient fort. La doctrine chrétienne formant le corps de la croyance en l'Église. Donc, dans ton credo, quand tu dis « Je crois en l'Église du christianisme céleste », c'est sous réserve. Tu connais la Constitution. Quatre. De mission évangélique de rédemption. La rédemption, la repentance est le fondement de cette Église. On doit se repentir, c'est pour cela l'ordre divin, pour qu'on soit accepté au dernier jour et voir Christ. Kawa et les chefs, nous abandonnons Jésus au socle, si nous croyons. Que ferons-nous pour rencontrer Jésus? Nous verrons Jésus. Non. Il faut se repentir. Si tu es chrétien, c'est la mission. Et cinquièmement,
il est décidé que la nouvelle constitution de l'Église, désormais connue comme constitution de l'Église du Christianisme céleste, entre parenthèses, diocèse du Niger. Voilà où tout le monde crie oui, c'est non, c'est le diocèse du Niger est entre parenthèses. Ça veut dire que dans chaque pays, on enlève diocèse du Niger, on met le nom du diocèse. On y sort, dit papa. Mais c'est ça, la parenthèse, c'est ça qui est expliqué. Alléluia, papa. Diocèse du Niger n'est pas un problème. Parce que le fondateur a fait la motion pour que tous les pays s'en approprient et l'adaptent à leur pays, à leur réalité. Mais on doit retrouver le squelette, l'architecture de la Constitution. Donc, connu comme Constitution de Saint-Sébastien en parenthèse de Saint-Nigel, tel inscrit dans la deuxième partie de ce acte, est en vigueur. Ça, ce sont les déclarations du prophète pasteur fondateur S.P.J. Oshofa. Y a-t-il quelque chose d'autre à dire face à ce que le fondateur dit? Tous ces éléments de la déclaration d'association à l'acte de constitution nous interpellent. C'est sur ça qu'on doit travailler, qu'on doit se mettre en chantier et non se lancer les flèches de gauche à droite. Ou chercher à savoir qui a raison, qui a tort, c'est une affaire de Gérard du Bénin. Non. On a déplacé le débat. Le débat, c'est de nous concentrer sur notre identité de déclaration et d'acte de constitution. Est-ce que nous sommes en phase avec ça? Ce n'est pas une question d'amendement. Je vous assure, j'étais au tribunal quand je voyais des jeunes juristes de la peine 27-30 ans oser dire que la Constitution bleue est limitée, elle est incomplète. Un document qui a été fait sous inspiration de l'Esprit Saint, dicté par le fondateur lui-même. Merci. Alléluia. Alléluia. Donc, la Constitution bleue, telle que écrite par le fondateur et dictée, ça je vous ai dit, il a demandé à ceux qui étaient avec, il a pris la Constitution faite par Makoko et par Idé Châtelot. Il a donné moi les deux, il a mis sous le coude. Maintenant il a dit, est-ce qu'on ne peut pas faire une Constitution maintenant entre nous? Pourquoi pas? Et il a nommé papa pour les 6 séances maintenant, il prend le livre. Et il a commencé à dicter. Alléluia. Alléluia. Donc, la constitution que telle qu'elle a été faite par le fondateur et ceux qui l'assistaient, c'est un acte sous saint privé, qui est un acte fait entre particuliers et signé par eux sans l'intervention d'un officier ministériel. La constitution est un acte sous saint privé. J'aurais appris qu'il y aurait certains qui auraient voulu aller soumettre cette constitution au juriste, le fondateur a dit miette. Que l'Esprit de Dieu ne se trompe pas. Ou bien papa. Alléluia. Alléluia. Et papa, des personnes me disaient, parfois quand ils ont terminé une partie de la constitution, quand ils partent à la maison, quand ils reviennent, le fondateur a modifié certains écrits qu'ils avaient faits à la veille. Et quand ils voulaient réagir, le fondateur disait, laissez tel que l'Esprit a demandé de faire. Et comme ils obéissaient au fondateur comme le bon Dieu, il dit, en tout cas c'est toi que Dieu a choisi, tu fais ce que tu veux, nous on te suit. Que Dieu soit avec nous. Amen. Alors,
constitution bleue, qui est le troisième testament, j'ose le dire haut et fort, et je l'affirme, de par le caractère révélationnel, par le Saint-Esprit, de par l'intervention de Jésus-Christ, pour faire signer l'acte de constitution, c'est un document sacré. C'est un acte canonique de Chofar. C'est un livre canonique de Chofar. Pourquoi elle doit être internationale? Mais c'est parce que, de par la dimension du prophète Chofar, qui n'a pas de nation, il n'est ni béninois, ni nigérian, ni. Parce que l'esprit qu'il a élu l'a rendu interplanétaire et lui a donné l'autorité d'intervenir dans les quatre coins cardinaux du monde. Un avocat de Moukédasso est guéri du cancer depuis la France. Le prophète priait à Kétou. Un avocat ivoirien. Donc il a l'autorité d'intervenir dans les quatre coins cardinaux du monde. Donc, il incarne Louis, le fondateur. Et quelqu'un qui a la nation Louis n'a pas de nationalité, je suis béninois, je suis sénégalais. Tu es dans la nation Louis, point barre. Que Dieu soit avec nous. Amen. Donc, la constitution bleue. Constitue un canon au chauffard. Et on doit faire très attention à tout ce qui y est écrit. Et on doit savoir aborder ce livre parce que l'esprit prime d'abord, quel que soit notre intellect. L'authenticité maintenant de cette constitution. Que veut dire authenticité? L'authenticité. Caractère de ce qui est. C'est la véracité, la conformité, la pertinence, la validité, la tangibilité, la régularité de ce qui est écrit dans cette constitution. Malachie dit, je suis l'éternel, je ne change pas. Et quelle est cette fièvre qui ont les célestes à vouloir qu'on change la constitution? Est-ce que c'est la constitution qui nous empêche d'agir conformément à ce qui a été déclaré au Bénin en 1956? Par rapport à la déclaration, par rapport à l'acte de constitution, voilà ce qui nous est demandé. La constitution ne nous empêche pas de vivre notre chrétienté céleste. Est-ce que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes et Dieu par-dessus tout pour demander de changer la constitution? Qui a changé la Bible parce que le texte là, ce qui est dit dans la Bible ne correspond pas à notre temps? C'est la même Bible qui a traversé le message. Et pourquoi on veut changer la constitution? Inspirer du Saint-Esprit au prophète. Alléluia. Alléluia. Nous sommes le produit d'une révélation spirituelle. Le christianisme céleste est le produit d'une révélation spirituelle, le produit du Saint-Esprit. Donc, c'est ce qui fait son authenticité. Et c'est ce qui fait son unicité par rapport à l'article 4. Qui le distingue de tout. Immuabilité qui ne change pas, reste identique à soi-même. La constitution, elle est immuable. Si nous voulons faire des règlements intérieurs, faisons-en.
Mais ne, comme dit la Bible, l'autre a bâti, que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas réécrire la Constitution bleue. Elle sera toujours inégalée parce qu'elle a été révélée. Si nous estimons qu'il y a des insuffisances, créons les règlements intérieurs. Mais que la Constitution bleue soit immuable parce que issue du fondateur. L'immuabilité, parce que elle peut être une variable. Il doit y avoir la constance, il doit y avoir l'infini. J'avais fait, je crois que c'était en 1995, un haut fonctionnaire du PNUD qui suit les attitudes du Seigneur Céleste. En background, de loin, il dit, mais pourquoi il y a trop de rumeurs, de bruit dans votre église, des gens se battent. Je dis, ben écoute, je suis l'un d'eux, je n'ai pas la naissance de l'église. Il dit, mais pourtant c'est une bonne église. J'ai dit, oui, on a même une constitution. Il dit, vous avez une constitution, il fait la loi, voilà. Alors je lui ai imprimé la constitution, je l'ai envoyée. Il a fait une semaine et quelques avec moi. Il l'a lu, relu. Et quand je l'ai revoir, il a dit, mais vous avez lu les meilleures constitutions parmi toutes les églises qui existent. Je dis comment? Mais on a même posé la bande, on a dit que c'était limité. Il dit non. Il dit, tu me dis que votre fondateur, il n'a pas fait d'autres études, je ne te crois pas. Il dit, quelqu'un qui n'a pas fait d'autres études ne peut pas faire un document et le projeter dans l'espace et dans le temps. Il dit, cette constitution règle tous les problèmes de votre église. Il n'est pas chrétien céleste. Il dit parce que il suffit seulement de l'adapter au fur et à mesure. Il dit, tout est prévu, tout est planifié. J'avoue que moi-même, je disais qu'il est, que quelque chose n'allait pas dans sa tête. Comment il peut me dire ça? Moi-même, je voyais, je me disais que ah, peut-être qu'ils ont raison. Il a dit non. Il dit, la lecture des constitutions, des institutions et des églises, il dit, c'est son affaire au niveau du PNUD. Parce qu'il donne des aides et tout ça. Il dit, c'est son affaire, mais il vient de remarquer. Il a gardé une copie. C'était à la machine à cartographier. Il a dit, je vais garder ça, je m'en inspirerai. Il dit, tu es sûr que votre prophète n'a pas fait des hautes études? Je dis, mais constate le nombre d'intellectuels qu'il y avait à son époque, en 1939. En 1909, 1939, 1939, etc. Il y a là, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui l'a habité. Parce qu'il faut avoir une intelligence très poussée pour écrire un document pareil. Malheureusement, nous nous croyons plus intelligents qu'au chauffeur. Que Dieu nous pardonne. Valorisons notre prophète. Valorisons ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a écrit. Ça va nous rehausser et donner une meilleure image à notre Église. L'universalité, totalité, entièrement, absolue, globalité, généralité, écuménicité. Voilà l'universalité de l'Église. Elle traverse les frontières. C'est parce que l'Esprit a participé dans la rédaction de la Constitution bleue. C'est un acte. Donc ça s'impose à chacun de nous.
ne cherchons pas à soumettre la Constitution bleue comme acte à notre petit niveau intellectuel, non. Soumettons-la à l'Esprit de Dieu qui a inspiré Papa Chauffard. Alléluia. Alléluia. Quand on l'aborde, prions d'abord avant d'aborder la Constitution. On sera mieux éclairé. Mais si on l'aborde en tant qu'intellectuel brut et tout court, on est sur le bord des catastrophes. Parce que c'est séance de Nantes que le fondateur a dicté la Constitution. Il va pas revenir vie encore pour nous rapprocher de nous. Il va mieux vous expliquer ça. Que Dieu soit avec nous. Amen. Donc, la Constitution bleue, elle est universelle. C'est même dans l'un des articles de la Constitution bleue, l'Église universelle. Elle s'adapte dans tous les pays où elle dit que sa vie céleste. Lorsque j'ai envoyé cette copie en anglais au ministère australien de la justice, notre représentant a dit mais c'est marqué diocèse du Nigeria. Et les techniciens de mission ont dit c'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est le contenu, ce qui est dans votre constitution. Nous approuvons ça. Et on va vous donner l'autorisation d'exercer en Australie. Il dit parce que vous ne buvez pas, vous ne prenez pas la drogue, vous êtes contre tout ce qui pervertit la vie d'un homme. À cause de ça, on va vous donner l'autorisation d'exercer en Australie. Il dit par rapport à d'autres, quand ils viennent, ils présentent l'église, mais derrière, ils font des trafics. Mais on vous a observé depuis que vous êtes là. On vous a donné bien pour pratique de votre église telle que c'est dans votre constitution. Il n'a pas écrit une constitution australienne. Il n'a même pas déposé les statuts de domaine intérieur. Mais on avait demandé d'envoyer la constitution bleue en anglais. Et c'est avec ça qu'ils ont travaillé au ministère de la justice et des religions en Australie. Que Dieu soit avec nous. Amen.